nouveau live du vendredi dans le studio Fun Radio et on va faire beaucoup de bruit parce que j'ai rarement vu autant de monde pour une interview. C'est pour Zara Larsson. Welcome on Fun Radio, Zara Larsson. Yeah. Est-ce que tu as vu tout ce monde? Il y a des salariés de chez Fun Radio, il y a des gens, je ne sais même pas ce qu'ils font chez Fun Radio, ils sont quand même là. He was saying there's a big crowd here. Some we don't even know who they are, what they do. But a lot of people showed up for you. Amazing, thanks for being here. Bah, merci à vous d'être tous là. Et vous aussi, vous pouvez vivre le live sur funradio.fr et sur l'application Fun Radio. Bienvenue, ça fait plaisir de te revoir. Comment se passe ton début d'année 2024, Zara Larsson? Tu sembles en forme et heureuse et souriante. Perfect. I'm having such a good time. Elle s'éclate, 10 out of 10. Voilà, 10 sur 10 pour le moment. Bon, ben parfait. Surtout, alors, juste avant de parler de ton album et de ton actualité musicale, je me suis rendu compte en préparant l'interview que ces dernières semaines, tu as fêté déjà tes 10 ans de carrière puisque ton premier gros tube Uncover était sorti en 2013. Comment tu juges cette décennie de musique avec toi, Zara Larsson? You know, judge I feel old. Ah ben, elle se sent vieille. But I'm still young. Mais elle est toujours jeune. I have so much time. Mais tu es jeune, on est jeune, même si on vieillit forcément. But I'm a veteran in the industry. Ouais, c'est un peu une pionnière de l'industrie, tu vois. Et puis un peu une vieille maintenant, du coup, aussi de l'industrie. Yeah. Non, elle estime qu'elle a beaucoup de chance de toujours faire ce qu'elle aime faire. Many years after. Voilà, et elle espère que ça va continuer encore de nombreuses années. T'es reparti pour 10 ans? Yes. Bon, ben parfait. Parfait. Et surtout, il y a quand même un jour important aujourd'hui, c'est la sortie de ton album qui s'appelle Vénus, avec, bah, je l'ai écouté, pas mal de titres qui bougent. Est-ce que tu peux nous le présenter, cet album? Up and down. And now, so un peu les hauts et les bas. Voilà, Venus d'amour. Is the goddess of love. So it's a collection of love songs, I feel like, from different perspectives. Alors, pour elle, c'est une collection de chansons d'amour avec des perspectives différentes. Rappelons que Vénus est le dieu de l'amour. Donc, ça parle essentiellement d'amour, mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a un titre qu'on aime beaucoup chez Fun Radio et qu'on a joué dès sa sortie qui s'appelle On My Love. Que tu vas nous interpréter en live avec David Guetta. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis quand même, ta relation avec David Guetta, t'es en France, Guetta, il est français, et tu sais qu'il vient souvent à ta place en interview. On l'adore, on l'aime, et on est content quand tous les deux vous sortez des nouveaux morceaux. Toute personne qu'elle a rencontrée ou dans le milieu pense comme elle que c'est vraiment un bon gars, mais vraiment au sens propre du terme. Il est gentil, il est adorable, il est toujours positif, toujours de bons conseils, et surtout de bons conseils pour une carrière qu'on a envie qui dure dans la longueur. Et puis oui, c'est Mister France quand même. Exactement, et c'est pas le premier morceau que vous avez fait ensemble, parce qu'en 2016 vous aviez fait l'hymne de l'Euro 2016 de football, This One's For You. Vous avez d'autres projets ensemble? Vous avez déjà peut-être des idées de prochains titres? It was him who produced it. Ouais, en vrai, elle nous raconte que lorsqu'elle a écouté On My Love pour la première fois, elle savait même pas que c'était David Guetta qui l'avait produite. Elle a été attirée par la chanson d'abord, par la musique, la sonorité, tout, et elle dit c'est ça qui est génial avec lui, c'est que déjà musicalement c'est incroyable ce qu'il fait. Et après, elle a été hyper honorée qu'il veuille faire le titre avec elle. Mais voilà, encore une fois, elle ne savait pas que c'était lui, et évidemment collaborer à nouveau dans le futur, elle l'adorait. Elle est toujours partante quand c'est David. Parfait. Et puisqu'on parle de David Guetta, est-ce que c'est le numéro le plus connu que tu as dans ton répertoire? Yeah, probably. Ouais, sans doute. Definitely here in France. En tout cas en France. Sure. Ah. Yeah, but he's yeah. Oui. Elle se fait tous les numéros qu'elle a sur WhatsApp. Ouais, non, David Guetta. C'est parti pour le premier live du live du vendredi avec Zara Larsson. On My Love, sa collaboration avec David Guetta. When You Want, Zara.
applaudissements pour le live. En guitare, voix, Zara Larsson, On My Love, sa collab avec David Guetta. Et j'ai lu que votre chanson On My Love était une chanson en fait dédiée à ta petite sœur qui s'appelle Anna et qui est chanteuse également. Est-ce que vous avez un projet commun un jour, toutes les deux? We would love to write songs together. Elles adoraient écrire ensemble déjà, yeah, toutes les deux. We do very different styles of music. And she's like, oh, not that. Ça, c'est la réaction de sa petite sœur par rapport à la musique de Zara quand même. Yeah. Elle dit qu'elles ont des styles musicaux très différents. Donc elle dit, je pense que ma sœur n'aimerait pas sortir un titre avec moi. Yeah, I think I want to work more with her than she want to work with me. C'est plus Zara qui a envie de travailler avec elle que l'inverse. En fait. Mais on sent qu'il y a une relation entre deux sœurs dans la famille. It's really a sister relationship. Yeah. Et t'as collaboré avec David Guetta, avec Kygo aussi. Est-ce qu'il y a d'autres DJ avec qui t'aimerais collaborer? I mean, last year it was Alesso. Maybe in the future, I love Peggy Goo, Fred Again, Swedish House Mafia, to really represent, you know. Ouais, pour vraiment représenter les pays. Yeah, definitely, they're very high up on my list. Eux, ils sont vraiment en haut de sa liste. Elle aime beaucoup les DJ suédois, Swedish House Mafia, elle a cité aussi Alesso, elle aime bien aussi Alesso, Peggy Goo. Voilà, franchement, ce serait fort. On attend, we are waiting for this. Yeah. Et on attend aussi. Elle aussi, du coup. On attend aussi le film qui va sortir sur Netflix. On a vu que tu allais jouer dans ce film qui s'appelle A Part of You. Mm-hmm. Est-ce qu'on te l'a proposé? T'as dit oui direct ou la comédie, c'est quelque chose que tu veux faire depuis longtemps? I have a lot of offers. Ouais, c'est quelque chose qu'elle aimerait bien explorer dans le futur. Elle a toujours adoré jouer de la comédie, mais c'est vrai qu'on lui propose souvent des rôles, mais c'est toujours de faire un peu la pop star dans une série ou un film. Eh oui. Bon, elle dit que c'est ce qu'elle fait dans la vraie vie, donc elle n'a pas forcément envie de ça. Et là, du coup, c'est une comédie dramatique. Assez triste, mais avec de l'espoir. Et voilà, c'est très différent de ce qu'elle fait, elle, donc ça lui plaisait. Et c'est parti pour le deuxième live dans le studio Fun Radio du nouveau single de Zara Larsson, toujours en guitare, voix, Who Love, Who You Love. Let's go. Let's go.
allez. Who Love, Who You Love, le nouveau single de Zara Larsson en guitare-voix. On t'a préparé une surprise dans le studio Fun Radio, ouais. Mais juste avant, tu vas partir en tournée, voilà, en Angleterre et dans toute l'Europe. Est-ce que tu es prête? Parce que c'est dur de faire une tournée, notamment physiquement. T'es prête physiquement pour faire du sport un petit peu entre deux dates et tout? Oui, la dernière fois qu'elle a sorti un album, c'était pendant la pandémie, donc elle n'a pas pu ensuite partir en tournée et le chanter. Elle dit qu'elle a vraiment hâte de chanter cet album en live devant un public, quoi. Et ce sera au Trianon à Paris le 24 février. Et on a quelque chose qui va peut-être t'aider justement dans ta tournée, puisqu'on a vu sur une vidéo YouTube que tu adorais les cornichons français qui piquent bien. Apparently donc... you like French pickles that are very sour. Oh, you saw that on a YouTube video. Oh, so he said this might help you for your tour. Let's see. Donc c'est le cadeau de Valentin pour Zara Larsson. Un pot de cornichons maille. The best. It sounds like les meilleurs. Elle dit que c'est les meilleurs. On sait recevoir quand même aussi. Franchement, they know how to welcome their guests. Yeah. Good one. Elle était arrivée souriante, elle a encore plus le sourire à son cornichon. You're even smiling more now. Elle est en train d'ouvrir donc. Elle va l'ouvrir et directement manger. Bah, c'est l'heure du goûter, tu peux y aller. Voilà. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont français? Est-ce qu'ils sont... Are they nice and yes, crunchy? Very nice. Yeah. Très bon. Cool. Ça régale. Eh ben je pense qu'on peut clôturer cette interview sur ça. Yes, I think we can end on that note, on the pickles. Sur les cornichons. It doesn't get better than this. On peut pas faire mieux en même temps. Eh bien, tu peux repartir en Suède et pendant ta tournée avec ce pot de cornichons français. Merci beaucoup, Zara. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Applaudissements pour Zara Larsson, qui était notre invitée dans le studio Fun Radio. Merci beaucoup, Zara. Merci.